Il est temps maintenant pour la période de questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Hier, le gouvernement a finalement dévoilé son analyse de rentabilité pour le déplacement du Centre des sciences à la place de l'Ontario. Finalement, après qu'ils l'ont caché pendant si longtemps, et ça l'a démontré que le coût pour le déplacement serait le double du coût de réparer l'édifice existant. Toutes les économies viennent de l'exploitation d'un centre de sciences de seulement la moitié de sa taille pendant plus de 50 ans. Pourquoi est-ce que le premier ministre forcerait les Ontariens à payer deux fois plus pour un centre de sciences qui est la moitié de la taille de l'édifice original? Ministre de l'Infrastructure, afin de répondre. Merci à la députée pour la question. C'est drôle qu'elle parle de l'analyse de rentabilité, mais hier, on a dit que c'était une manigance, que c'était... et il n'y a pas de manigance. On a rendu tout cela public et qu'on allait économiser 270 millions de dollars sur une période de 10 ans et 600 millions de dollars avec l'inflation sur une période de 50 ans. Je sais que ce que la chef de l'opposition est en train de faire, elle ne veut pas que les enfants puissent avoir un centre des sciences pour les 50 prochaines années. C'est ce qu'elle est en train de dire. Elle ne pense pas à la viabilité à long terme pour l'établissement. Les preuves ont été très claires hier. J'étais ravi de pouvoir le partager avec le public. Et désolé, mais ils n'ont rien à dire. Complémentaire. C'est un jeu de cache-cache et le Globe and Mail, logique déraisonnable, chiffres truqués. Parlons des enfants des écoles, vont au Centre des sciences de partout de la province. Des familles et des enfants en apprennent plus concernant la science et la nature. Le gouvernement est en train de réduire la taille de la moitié, de réduire sa capacité et de mettre à pied des membres du personnel et de faire en sorte que ce sera plus difficile pour que les enfants puissent y aller. Et alors qu'on a besoin de plus de personnes qui se lancent dans les sciences, pourquoi est-ce que le gouvernement rend cet exercice encore plus difficile, ministre de l'Infrastructure? Je voudrais parler du public qui vont à ce centre des sciences. Il y a eu une réduction de l'achalandage de 40 % depuis 2009. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Peut-être c'est le fait que l'établissement a 54 ans. Et parlons de la nouvelle taille du nouveau centre des sciences. 18 % du centre des sciences est utilisé pour des expositions en ce moment. Même si le nouvel établissement sera de la moitié de la taille, il sera plus durable, il sera plus efficace, éco-énergétique, et aura plus de places d'exposition, de pieds carrés pour que les enfants puissent en profiter. Je vais demander à la députée de Hamilton Mountain et le leader parlementaire du gouvernement de rappel à l'ordre. Dernière complémentaire, l'héritage de laisser à l'abandon des immeubles et revient à ce gouvernement et l'ancien gouvernement. Ils peuvent dire que c'est économiser 650 millions de dollars en annulant cette subvention au spa privé en ce moment. Le Centre des sciences de l'Ontario est un centre culturel essentiel et des sciences, ce qui comprend pour toutes les régions avoisinantes. Au lieu d'apporter les rénovations nécessaires, le gouvernement veut dépenser deux fois plus pour bâtir un nouveau centre des sciences qui a la moitié de la taille, qui est un an plus loin pour ceux qui n'habitent pas au centre-ville de Toronto. Donc, au premier ministre, pourquoi est-ce que le premier ministre n'écoutera pas les gens de Thornhill Cliff Park? Et toutes les collectivités qui sont desservies par le Centre des sciences et de les laisser où il est. Ministre de l'Infrastructure. Voilà la chef de l'opposition de parler encore une fois de Thermé. Elle est obsédée. C'est tout ce qui la préoccupe. Elle ne veut pas revitaliser cet édifice, le Centre des sciences, qu'on améliore le site. Mais parlons de ce qu'elle voudrait faire. Offrons des millions de dollars à l'établissement actuel. Faisons-le cette année, l'année suivante et ensuite l'année suivante. Et on fera face à un bris, une panne structurelle
Je ne pense pas que c'est une approche responsable pour les travailleurs du Centre des sciences et les visiteurs. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est d'assurer qu'on a un Centre des sciences pour l'avenir, pour les 50 prochaines années, et on est responsable du côté financier. Une prochaine question. Encore une fois, chef de l'opposition officielle, hier, j'ai posé la question au premier ministre à savoir pourquoi ce 650 millions de dollars et le spa de luxe est tellement important alors que les Ontariens ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Ils ne pouvaient pas me répondre, donc je vais encore poser la question encore une fois au premier ministre. Pourquoi est-ce que ce spa de luxe est tellement important pour lui qu'il est en train de réécrire les lois ici en Ontario pour le faire? Ministre de l'Infrastructure, merci, Monsieur le Président. Merci à la députée d'en face pour sa question. Encore une fois, elle soulève le fait que Therma a été le soumissionnaire qui a été retenu lorsqu'on est arrivé au gouvernement en 2016 et encore en 2019. Mais je voudrais demander à la députée d'en face pourquoi est-ce qu'elle est tellement contre de réparer la Place de l'Ontario. Pourquoi est-ce qu'elle veut que Place de l'Ontario continue d'être laissé en ruine et qu'il y ait des inondations où Live Nation a dû annuler des concerts en 2019. Comment est-ce que cette situation est acceptable? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question pour les Ontariens? Parce que je voudrais entendre cette réponse de votre part. Complémentaire. Quelle performance! Cette loi, la soi-disant... Le projet de loi, le soi-disant rebâtir la place de l'Ontario, bloque les gens de poursuivre le gouvernement pour une mauvaise représentation ou d'inconduite. On empêche des recours pour ceux qui ont subi un préjudice en raison de mauvais agissements de la part du gouvernement, mauvaise foi, bris de confiance, bris d'obligations fiduciaires. C'est inédit comme... changement. Donc, au premier ministre, qu'est-ce qu'on est en train de dire aux Ontariens lorsqu'il s'agit de ce bail de 95 ans qui a été caché, qu'ils ont à réécrire les lois pour se protéger? Veuillez vous rasseoir, ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Parlons de la raison pour laquelle on a des accords avec un bail de plusieurs années. Et ça a été le cas avec la Ville de Toronto il y a 54 ans avec le Centre des sciences. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Parce qu'on a payé pour l'établissement et on voulait savoir que l'établissement allait rester là pendant une longue période de temps. C'est le même cas avec les places de l'Ontario. Il y a quelqu'un qui veut investir des centaines de millions de dollars d'exploiter un établissement que les parents, les familles puissent fréquenter, profiter d'eux et de contribuer à l'entretien annuel pour qu'on puisse avoir un endroit bien entretenu. Encore une fois, je demande à la chef de l'opposition officielle pourquoi elle est tellement contre la revitalisation de cet endroit et de permettre à ce que cet endroit soit fréquenté. Complémentaire. Donc, au lieu de tirer des leçons du scandale de la ceinture de verdure, cette fois-ci, ils couvrent leurs pistes pour qu'on ne puisse pas les attraper la prochaine fois. Voici ce qu'on accomplit avec le projet de loi 154, la ministre de l'Infrastructure, la capacité d'émettre des arrêtés de zonage ministériel. J'ai demandé au premier ministre pourquoi est-ce qu'il le ferait. Il m'a répondu pourquoi pas, mais voici pourquoi pas il ne devrait pas le faire. Parce qu'ils font face à une enquête criminelle de la part de la GRC et le vérificateur général pour avoir utilisé des arrêtés de zonage ministériel pour profiter à leurs amis. Est-ce que ce gouvernement est en train d'élargir les pouvoirs des arrêtés de zonage ministériel pour encore donner d'autres récompenses à leurs amis? Ministre des Affaires municipales et du Logement, vous savez qui sont nos amis? Olivia Chow, la plus puissante chef des néo-démocrates. Voilà un de nos amis. C'est un groupe gouvernemental qui va voter contre un membre de leur propre parti. Vous savez ce que cette entente va accomplir, d'avoir plus de logements abordables. Oui, on sauve la Place de l'Ontario, le Centre des sciences, mais on offre aussi
meilleur réseau de transport en commun et des solutions en transport pour la ville de Toronto. C'est pour cette raison que la ville de Toronto, menée par la maire Olivia Chow, a appuyé cette entente. Elle était là il y a 2 jours pour parler de l'importance de cette entente. La seule personne qui est contre, c'est la chef de l'opposition officielle, chef du Parti néo-démocrate. Et pourquoi elle est contre? Parce que le parti est contre tout. Il n'y a rien qu'ils veulent. C'est un parti radical qui est faible. Elle devrait suivre les conseils de la maire de Toronto et d'appuyer cette entente. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député de Mishkegouac-Beijing. Président, au premier ministre, dans le Nord, nous avions déjà eu 2 fermetures de l'autoroute 11 à cause des tempêtes de neige. Les municipalités du Nord ont déjà commencé à entretenir la route avant même la première neige à Toronto. Le gouvernement a fait une entente pour remettre dans les mains de la province l'entretien de la Gardner Expressway et la Don Valley. Ma question pour le premier ministre. Allez-vous signer les mêmes ententes avec les municipalités du Nord? Ministre des Affaires municipales et du Logement, quelle question qu'on pose de la part du député d'en face? Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas la parole dans votre place et que vous votez pour le projet de loi que votre gouvernement vient de dire que c'est une entente truquée? Vous dites d'un côté que vous n'aimez pas ce qu'on est en train de conclure avec la Ville de Toronto, mais d'un autre côté, vous demandez d'avoir les mêmes intérêts, les mêmes avantages que ce qui est offert à Toronto que dans le Nord. C'est l'entente avec laquelle le maire de Toronto est d'accord avec et ce député et nous demande d'en faire plus avec cette entente. On va continuer de bâtir l'Ontario en dépit des objections de la part des néo-démocrates. Complémentaire, député de Témiscamingue-Cochrane. Merci, M. le Président. On est en train de parler d'un autre projet de loi parce qu'on parle tout simplement d'une discussion concernant les autoroutes et alors que vous parlez du Gardner et du Don Valley, pourquoi ne pas parler de l'autoroute 11 que vous avez déjà le contrôle avec, qu'on joue à qui va flancher en premier sur l'autoroute? Pourquoi ne pas parler des municipalités telles que Timmins, Temiskaming Shores, pour les autoroutes que vous les avez refilées? Pourquoi ne pas parler de la prise en charge de la province pour qu'ils puissent payer les services sociaux, eux, les municipalités? Ministre des Affaires municipales et du Logement. J'ai l'impression que je devrais porter une veste un chandail. Ça aurait été une belle journée pour le porter, d'entendre les néo-démocrates nous demander de continuer de faire ce qu'on est en train de faire durant les 5 dernières années. Ils ont voté contre à chaque reprise. On ramène les autoroutes, on est en train de les bâtir, on les rend plus sécuritaires. Le député vient de voter contre. Son propre groupe parlementaire nous a dit qu'ils ont voté contre un projet de loi qu'on a présenté pour améliorer les transports en commun, les transports à Toronto pour créer des milliers d'emplois pour les Torontois. On va continuer d'entrer en contact avec nos partenaires municipaux, d'apporter les investissements pour améliorer les routes, non seulement dans le sud, mais aussi dans le nord, de rétablir le service Northlander et de faire en sorte que nos routes soient plus sécuritaires, de bâtir des ponts et de ramener la prospérité, l'espoir avec le soutien de la population. Prochaine question. Député de Brantford-Brant. Merci, M. le Président. Ma question pour le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. Les municipalités partout en Ontario, surtout dans les régions rurales et dans les régions du Nord, font face à des défis économiques inédits en raison de l'augmentation du prix de tout à la suite de la taxe sur le carbone. Une augmentation des coûts de chauffage, des coûts d'essence entraîne plus de défis pour les municipalités, ce qui est encore plus vrai pour les communautés du Nord
et les communautés autochtones qui ressentent les effets de manière plus importante que d'autres municipalités, alors que les néo-démocrates tentent de confondre tout le monde au sujet de leur position concernant cette taxe régressive. Notre position a toujours été claire. Il est temps d'éliminer cette taxe. Est-ce que les ministres peuvent expliquer comment la taxe sur le carbone a une incidence négative sur les communautés du Nord et les communautés autochtones? Le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. Merci. Le gouvernement fédéral a tenté de faire la promotion de la taxe sur le carbone en disant qu'il y aurait un bénéfice net. Et les députés de l'opposition se sont ralliés à cette pensée. Mais mettons à l'épreuve cette idéologie. 10% de la taxe sont utilisés pour financer les écoles, les services sociaux, les communautés autochtones. Mais alors que les municipalités ont vu une augmentation de leurs coûts de fonctionnement en raison de la taxe sur le carbone, Rainy River nous a dit que les coûts d'essence ont doublé depuis 2020. Même en Colombie-Britannique, où il y a un gouvernement néo-démocrate, on voit beaucoup d'opposition de la part des municipalités envers cette taxe. C'est un fardeau injuste pour les régions du Nord et dans leurs provinces. Suivons le pas de la Colombie-Britannique et demandons qu'on élimine cette taxe complémentaire. Merci, ministre, pour cette réponse. C'est très clair de votre réponse que l'incidence négative de la taxe sur le carbone continue d'être un grand enjeu, une préoccupation pour les communautés du Nord et les communautés autochtones. Les industries et les entreprises dans le Nord sont dans une pire position en raison de la taxe sur le carbone. À tous les jours, les municipalités, les entreprises ont à faire face à des pressions, à prendre des décisions difficiles en raison de cette taxe ridicule. C'est difficile de comprendre pourquoi les libéraux et les néo-démocrates continuent de manquer du respect envers le Nord en appuyant la position du gouvernement fédéral avec cette taxe régressive. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment cette taxe fait en sorte que la vie est moins abordable et plus coûteuse pour le Nord de l'Ontario? Ministre du Développement du Nord, on ne peut pas avoir une conversation concernant le développement du Nord sans penser au coût de la taxe sur le carbone qui est ajoutée à tous les projets, toutes les industries qui alimentent nos communautés. Le secteur de la foresterie a vu une augmentation de 5% en raison de la taxe sur le carbone. Beaucoup de ces arbres permettent de nous alimenter en bois. Et donc, on voit ces coûts ajoutés dans tout ce qu'on essaie de construire. Avec une crise en matière de logement, c'est encore pire. On estime qu'il y aura une augmentation de 4,4% dans le coût de créer des infrastructures pour les opérations minières aussi. Ce n'est pas utile lorsqu'on tente de développer les minéraux essentiels pour transformer notre économie plus écologique et de débloquer toutes les occasions économiques que cela pourrait présenter. Éliminons la taxe, tout simplement. Prochaine question. Député de Sainte-Catherine. Merci. Merci. Merci, M. le Président. Je voudrais tout simplement savoir. On avait un très bon débat hier et la question est à la ministre de la Santé. On a eu un très bon débat sur les méthodes de contraception universelles et on a découvert que l'assurance médicaments plus couvre et la couverture du gouvernement qu'ils ont mentionné, que c'était 6 millions de personnes, mais la plupart sont des enfants, des personnes âgées et des hommes. Et je voudrais savoir si la ministre pourrait répondre à la question. Pourquoi cela ne couvre pas les 30 ans entre les deux, entre les enfants et les aînés? Réponse, peut-être que la députée n'est pas familière avec le plan des médicaments de Trillium qui est disponible pour tous les résidents de l'Ontario qui peuvent démontrer un besoin financier pour couvrir leurs médicaments.
On a souvent parlé du régime d'assurance médicaments plus pour les personnes de moins de 25 ans et le plan de médicaments Trillium, complémentaire député de Nickelbelt. Monsieur le Président, on sait tous que lorsque on rend l'accès plus facile, qu'il y ait de meilleurs résultats en réduisant la demande dans le reste du système de santé. Il y a une iniquité pour les femmes qui ne peuvent pas avoir accès aux méthodes de contraception. On a une occasion, dans quelques minutes, en tant que législateur, pour changer la donne, pour assurer que chaque femme en Ontario qui a besoin d'une méthode de contraception sera couverte et pourra recevoir ces méthodes grâce à notre système de santé. Pourquoi est-ce qu'à la suite de ces discussions, d'avoir lu des centaines de lettres de femmes qui ont demandé à ce que cela ait lieu, pourquoi est-ce qu'on est encore en train de débattre de cet enjeu? Ça ne devrait pas être un enjeu. C'est un service qui doit être couvert par le gouvernement. C'est tout, point final. Est-ce que les députés du Parti conservateur, est-ce qu'ils vont défendre les droits des femmes et de voter en faveur de cette motion? Veuillez vous rasseoir. Ministre de la Santé, absolument, et c'est ce qu'on fait déjà. Les députés devraient savoir qu'on a fait une annonce dernièrement qui permettra d'élargir les mammographies pour les femmes qui, sans qu'ils aient un aiguillage de la part des médecins. Ce sont des exemples concrets de ce qu'on est en train de faire. Une résolution non contraignante ne fera rien pour améliorer le sort des citoyennes. Des gestes concrets, plutôt, le permettra avec le régime de médicaments, d'assurance médicaments plus et d'élargir l'accès aux mammographies. Ce sont deux exemples qui permettront de le faire. Prochaine question, député de Peterborough-Cowarton. Merci, M. le Président. Premièrement, je voudrais dire joyeuse journée du patrimoine écossais. Ma question est à la ministre des Transports. Les gens dans ma circonscription me disent que la taxe sur le carbone rend la vie moins abordable alors que le coût de tout augmente. Le coût des essences, des carburants augmente et a une grande incidence sur les familles. Lorsque Sayers était le seul épicerie à l'intérieur de 50 km et les gens devaient conduire pour s'y rendre et ça a entraîné une augmentation du coût pour la taxe avec la taxe sur le carbone. Les Ontariens ne devraient pas devoir choisir à savoir s'ils peuvent se permettre d'aller aux endroits qu'ils doivent aller, tels qu'à l'épicerie. C'est inacceptable que le gouvernement fédéral a l'intention d'augmenter la taxe sur le carbone encore plus alors que les Ontariens souffrent. Est-ce que le ministre peut expliquer quelle est l'incidence de la taxe sur le carbone sur les besoins en transport? Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés d'avoir posé la question. Cette taxe nuit à l'économie de l'Ontario. Ça nuit aux familles. Ça rend la vie encore plus dure. Alors que le gouvernement n'a pas l'air de comprendre que lorsque leurs parents veulent faire le plein de leur voiture partout en Ontario, ils n'ont pas le choix, n'est-ce pas? La taxe sur le carbone ajoute des coûts supplémentaires de toute façon et de toutes les façons. Quand ils doivent se rendre à l'école pour y déposer les enfants, où qu'ils soient, ils n'ont pas accès au transport en commun et au métro. Il faut reconnaître que les libéraux et leurs homologues ont complètement oublié les familles de l'Ontario. On demande au gouvernement fédéral de faire le nécessaire, de laisser tomber donc la taxe sur le carbone. Question complémentaire. Merci. Merci de la réponse. Le ministre a raison. Les libéraux ont perdu le Nord quand il s'agit de comprendre ce que ça fait pour rendre la vie encore plus inabordable pour tout le monde. Il y a des gens qui pensent que c'est une bonne chose. Franchement, oublions cela.
Tout le monde reconnaît qu'il y a des coûts élevés à cause de cette taxe qui nuit à n'importe quel commerce. Ça a tout un impact sur notre économie et donc sur tous les travailleurs ontariens. C'est pourquoi notre gouvernement doit demander au gouvernement fédéral de faire le nécessaire. Pourriez-vous nous dire comment le futur gouvernement va faire pour éviter cet impact sur les Ontariens? Merci. Au moment où les Canadiens assistent à une augmentation constante des coûts, alors tous ces homologues même augmentent les taxes sur tout le monde. C'est passé de 65 dollars à 170 dollars par tonne dès 2030. Si nous pensons que l'essence coûte cher, maintenant, ça va empirer. Il sera donc de plus en plus difficile pour les familles de mener les enfants là où ils veulent, par exemple, pour jouer au foot, etc. Il est temps que les libéraux défendent des familles, les gens qui n'ont pas les transports en commun nécessaires. Les familles ne peuvent se permettre ces taxes toujours plus élevées. Il faut prendre au sérieux ces problèmes pour toutes les familles ontariennes. Député d'Ottawa, j'ai une question pour le Premier ministre. Je le salue ce matin. Malheureusement, je dois vous informer il est contraire au règlement de la Chambre de faire la moindre référence aux députés ici présents. À l'ordre. Je rappelle aux députés de ne pas se référer aux agissements de tout député. À l'ordre. Ça y est, on reprend. Merci. Je dois informer avec tristesse les députés qu'on a raté une autre échéance. On devait attendre M. Verster une mise à jour à propos de la situation. Il paraît qu'il y a encore 160 000 $ qu'il a gagné et il a nommé énormément de monde, 59 vice-présidents et autres. Est-ce qu'on peut s'attendre à une mise à jour véritable de la part de M. Verster? Ministre des Transports, nous lançons la plus grande expansion des transports en commun de l'histoire de la province et même de l'Amérique du Nord, un milliard de dollars sur les 10 années à venir. Il y a des projets pour lesquels vous avez voté contre. Ce sont des projets dont ont parlé constamment les libéraux tout en ignorant les gens. La ligne Hazel-McCallion dont on a parlé, on était là avec tout le monde là-dessus et c'est presque prêt à être lancé. Nous allons bâtir des autoroutes et l'opposition n'a absolument rien à nous en apprendre. Le gouvernement bâtit quoi que ce soit, il ne s'agit pas de transport en commun. Ils paraissent confus comme le gouvernement fédéral. Ils ont des espérances concernant le transport en commun. 3 ans plus tard, finalement, ils font un petit quelque chose. Il y a des exécutifs qui gagnent $1 million. Il a dépensé au moins $500 millions à combattre le projet.
sans respecter les hommes et femmes de l'Ontario qui travaillent dans les transports en commun. Et tout le monde, vous savez, est d'accord. Nous créons la plus grande expansion des transports en commun de toute l'Amérique du Nord. Ça fait des années dont on a parlé. Les libéraux qui ont oublié les gens de Scarborough, les gens de Etobicoke, etc., qui a 6 semaines d'avance sur ce qui était prévu. Il y a aussi le prolongement de Young et les LRT, etc. Going along, Finch, we're making a difference here for the people. Faisons toute la différence pour les gens d'ici, dans toute la province. Nous allons continuer à bâtir les transports en commun. Nous allons continuer à aller de l'avant. Question. Député d'Ottawa-Sud. Question pour le premier ministre. Il y a 4 ans, la semaine dernière, on a adopté le projet de loi 141. La loi sur les défibrillateurs, etc., qui nous fait savoir où ça se trouve dans la province. On sait que ça fonctionne. Mais il y avait 3 projets de loi. On a demandé de l'examiner en comité. Nous avons reçu la sanction royale en juin de 2020. On était tous très stimulés par ce fait. On pensait sauver des vies de cette façon. Mais depuis, alors zéro, que dalle. Il n'y a toujours pas eu de loi. Pas édicté, ça fait 3 ans et demi. Et c'est quelque chose qui va aider le monde. Est-ce que le ministre pourrait nous dire exactement ce qui est prévu pour ce projet de loi? Respectueusement pour le député d'en face, vous n'êtes pas à jour. On a beaucoup travaillé avec nos partenaires là-dessus pour nous assurer de bien faire. Vous savez, il faut remercier les responsables. Merci aux députés qui m'ont aidé, mon assistant. On parle souvent de comment le gouvernement a un plan qui fonctionne. Voici un exemple précis de ce qu'on a proposé comme solution. Et on y travaille, on veut absolument bien faire à propos de ce projet de loi. Question complémentaire, respectueusement. 3 ans et demi. Alors, vous savez, la personne à côté de moi en est la preuve vivante. Ils ne pouvaient trouver le défibrillateur. Et si ça ne fonctionnait pas, sa chaise serait vide maintenant. 7 000 personnes ont des arrêts cardiaques en Ontario. Ça leur arrive. Et il faut 3 minutes avec un défibrillateur pour les aider à survivre. En tout cas, la plupart. 3 minutes, 3 ans et demi. Vous savez, Madame la Ministre, voulez-vous vous engager à vous assurer que ce projet de loi soit édicté avant notre reprise en février? Les familles ne veulent pas voir des fauteuils vides. Je respecte le député d'en face. Je pense qu'il fait un excellent travail. Évidemment, on va transitionner quand il devra quitter son poste. Mais vous aviez quelqu'un du gouvernement fédéral qui était ici, qui avait présenté une loi tout à fait semblable.
qu'a fait donc votre gouvernement à ce propos? Eh bien, ils l'ont complètement laissé tomber. Alors que nous, nous sommes en train de préparer le projet de loi. Et vous avez des personnes de votre propre parti qui a tourné le dos à ce sujet, alors que nous, on s'en occupe. D'autres commentaires? Question suivante. Député de Whitby. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le ministre associé des petites entreprises. Le gouvernement fédéral a déjà augmenté la taxe sur le carbone sur l'essence 5 fois. Et puis, ça fera 7 fois bientôt. La taxe sur le carbone est très mauvaise pour nos commerces et toute notre économie. Évidemment, ça touche aussi les travailleurs ontariens. C'est choquant que le député de Craven a loué cette taxe en disant que c'était un avantage pour les Ontariens, alors que les libéraux indépendants et l'opposition croient que finalement que c'est la meilleure solution. Nous pensons que c'est un tort qu'on inflige aux Ontariens. Pourriez-vous expliquer l'impact négatif de cette taxe sur le carbone pour toute la province? Merci. Merci au député de Whitby d'avoir soulevé cette question. L'augmentation continue de ces taxes pose beaucoup de défis pour ces commerces et toute l'économie. Le combustible, c'est quelque chose qui coûte cher à tout le monde. Ces coûts élevés font boule de neige sur d'autres coûts pour le transport. Ça veut dire que parfois, on doit mettre à pied certains membres du personnel pour pouvoir payer le combustible. Ottawa dit très clairement que ça va augmenter continuellement. On va décider qui va jouer, pouvoir conduire sa voiture. Et ils disent aux gens, ça y est, c'est toujours des taxes, c'est ça qu'il faut prévoir. Merci, Monsieur le Président. Et merci, ministre associé. Suivant un agent qui s'y connaît, dès 2030, on va avoir une baisse de la qualité de vie partout à cause du coût de conduire grâce à cette taxe. Ce sera 3 000 $ de coût pour chaque ménage. Déjà, ces gens ont du mal. Augmenter la taxe sur le carbone sera tout un impact négatif pour les Ontariens et l'économie. Le Parti libéral a beau le dire, c'est quelque chose qui nuit à notre économie et nos commerces ainsi que nos travailleurs. Pourriez-vous nous expliquer quel est l'effet de cette taxe sur les communautés, les petites entreprises à l'échelle de la province? Merci. Merci au député de Whitby pour avoir posé cette question. Alors, la Fédération des entreprises indépendantes, et je cite, disent cette augmentation annuelle nous nuit beaucoup. Autrefois, on avait une présence dans toute la province de nos produits, mais maintenant les coûts d'expédition sont trop élevés pour nous. Donc, on a dû se restreindre à cause de cela. La province, donc, en souffre. Les coûts de combustible ne font que monter en flèche. L'opposition n'a pas su reconnaître cet impact sur les petites entreprises et sur les communautés qui comptent là-dessus. Alors, laissez tomber cette taxe, je vous le demande. Merci.
à la députée de Thunder Bay, Ontario Nord. Dans ma circonscription, on vous dit qu'ils ne peuvent se permettre de payer cet argent que le gouvernement ne fournit qu'en vertu de OSEP et les services de longue durée. Le ministère a créé des obstacles aux adultes qui veulent ces services alors qu'ils habitent à domicile. Il faudrait donc couvrir ces frais pour toute personne dépassant l'âge de 60 ans. Je suis ravie que vous ayez des commettants qui aiment tant l'idée d'un vaccin pour la toute première fois qu'il soit disponible à ces personnes. Pour ce virus, et l'Ontario continue d'être la seule instance canadienne qui fournit ces vaccins pour ce virus dans ses résidences de longue durée. Donc, ces personnes ont accès à ce qui est un vaccin qui risque de leur sauver la vie. Alors, évidemment, il y a un accès à d'autres vaccins qui sont nécessaires. Pour certains, c'est couvert par OHIP, mais quelqu'un de plus de 70 ans doit le payer cher. Alors que les risques augmentent avec l'âge. Ma maman aura 96 ans aujourd'hui même. On ne lui a pas proposé le vaccin. Et elle a eu son âge et c'était d'une douleur absolument extraordinaire, n'est-ce pas, comme on le sait. Et il faut enlever cette limite, l'âge. Il faut couvrir toute personne qui a plus de 65 ans, ce vaccin contre le sida. Et bonjour, bon anniversaire à votre maman. Alors, pour ce qui est du nombre de produits pharmaceutiques, il faut s'en féliciter. Nous voulons nous assurer l'accès aux plus vulnérables à ces vaccins. Quand je pense aux changements que nous avons pu faire juste dans notre communauté, parce que nous avons eu des milliers de pharmaciens qui, au jour le jour, donnent des vaccins à nos résidents. Donc, c'est une nouvelle approche. On s'assure de protéger autant de ces résidents que possible. Nous allons continuer à le faire car nous pensons que c'est une autre façon pour protéger les Ontariens vulnérables. Question suivante, député de Don Valley North. J'ai une question au procureur général. Les propriétaires et les locataires se plaignent souvent des retombées de la loi qui les concerne. Nous avons vu que qu'il y a des problèmes entre eux. Les propriétaires sont obligés soit de vendre, soit de faire autrement. Quelle est la façon dont il faut faire dans la communauté? Il faut habiliter les propriétaires et les locataires à résoudre leurs propres différends d'une manière rapide. Que prévoit le gouvernement pour s'assurer que tout ceci puisse se passer rapidement et de façon juste. Mr. Speaker, I want to thank the member from Don
Je tiens à remercier le député de Don Valley North. Nous aussi, on a des commettants qui nous en parlent. Le Conseil des propriétaires et des locataires est une partie indépendante de notre province. Dès la fin d'aujourd'hui, il y aura 69, alors qu'il n'y en avait que 40 en juin. Alors, j'ai discuté avec le président exécutif. 11 des tribunaux arrivent à bien cibler les choses. Et 964 la dernière fois, 236. 140% d'amélioration et l'année dernière, c'était il y a beaucoup de ces audiences. De plus en plus, ça fonctionne de mieux en mieux. Merci de votre réponse. Depuis la pandémie, il y a des problèmes qui ont atteint un niveau historique. Le revenu provenant de l'emploi, tout ceci est devenu de plus en plus courant. Il ne s'agit pas seulement d'aider les propriétaires. Il y a aussi des problèmes pour des locataires. Ces locations à long terme sont nécessaires. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'il faut faire pour s'assurer que ceux qui ne respectent pas la loi soient bien punis pour que les gens commencent à avoir confiance en nos lois? Merci aux députés. Quand on voit le système à travers le temps de la COVID, nous avons vraiment beaucoup insisté sur la façon de le renforcer. Et on parle de vos voisins, finalement, quand on parle de propriétaires. Ce sont parfois des remplacements pour ces personnes. Par exemple, les ordonnances ne sortaient pas assez vite. En février de cette année, il y en avait 1000 qui restaient à traiter, mais il n'en restait plus que 75 maintenant. Alors, nous faisons des progrès. On veut s'assurer que le système fonctionne et pour les propriétaires et pour les locataires. Question suivante. Député de Thornhill, s'il vous plaît. J'ai une question pour le ministre des Finances. Lorsque j'encontre les commerces chez moi à Thornhill, ils disent que la taxe sur le carbone nuit tellement à leur commerce. Notre gouvernement est très clair que les commerces locaux sont absolument essentiels. Ils jouent tout un rôle en assurant la prospérité de tout le monde. Ce n'est pas juste que l'on punisse nos commerces grâce à cette taxe qui leur est imposée par le gouvernement fédéral. Pouvez-vous nous expliquer quel est son impact sur nos commerces? Député de Oakville, merci à la députée de Thornhill. Vous avez parfaitement raison. Ces commerces locaux font partie de notre économie. Pendant la COVID, on a fourni des subventions aux petits commerces pour qu'ils continuent à prospérer. Mais vous savez, on sait que les taxes sur le carbone rend la vie plus chère à tous les Ontariens. L'essence est plus chère, mais c'est la même chose pour le logement et évidemment l'inflation. D'ailleurs, on prend un coup alors qu'il faut mettre fin à cette taxe régressive.
Est-ce que vous allez agir à ce propos ou allez-vous nous accompagner dans nos efforts pour le supprimer? Merci de votre travail si dévoué. Quand il s'agit de l'impact négatif de la taxe sur le carbone, tout le monde en parle, depuis le gouvernement de la Banque du Canada et partout. Même les premiers ministres de toutes sortes conviennent que cela rend la vie encore moins abordable pour tout le monde. Ça augmente les prix, ça crée des conditions défavorables. Les commerces locaux ont beaucoup de mal. Ces taxes régressives leur compliquent le travail. À notre époque, il ne faut pas imposer de telles taxes aux Ontariens. Pourriez-vous nous expliquer comment votre gouvernement nous aide dans ce sens? Merci encore une fois pour cette question posée par la députée de Thornhill. Vous l'avez bien dit, cette taxe ne fait qu'augmenter les prix. Ça rend la vie d'autant plus inabordable chaque fois. J'étais déçue de voir que le Parti libéral continue à l'appuyer, alors qu'ils ont voté contre nos propositions, malgré les preuves qu'on en a à propos du mal que ça fait aux commerces locaux. Notre parti veut améliorer les choses pour les Ontariens. On veut que la vie soit plus abordable. Par exemple, les autoroutes qu'on a prises en charge, etc. Tout ceci et pour remettre de l'argent dans la poche des Ontariens au moment où ils en ont le plus grand besoin. Okay. Le député de Toronto-Saint-Paul. 62 hommes et femmes ont été perdus l'année dernière. Nous savons que ces chiffres, avec chaque jour qui passe, ne fait qu'augmenter. J'ai travaillé à ces femmes victimes de violences au sein de la famille. Vous avez refusé de nous écouter quand on a parlé de cela. Le secteur n'a pas vu de véritables investissements à ces fonds depuis 15 ans et plus encore. Au Premier ministre, vous voulez parler d'argent national pour prévenir la violence au sein de la famille. Mais quel est votre plan provincial? Député, soyez-vous. Le député de Dundas-Glengarry, le gouvernement sera toujours là pour protéger les femmes et les enfants. Et nous avons apporté des investissements pour l'appuyer. La violence a augmenté de 6,5 millions dans le budget et 6 millions pour appuyer des initiatives et les collectivités éloignées. Nous avons investi 18,5 millions pour améliorer le programme de logement pour aider les victimes de violences domestiques et de trafic humain pour qu'elles puissent trouver du logement et les aider à transitionner vers l'indépendance. Et ceci vient s'ajouter aux 240 millions pour les victimes de violences et 10,2 millions pour des initiatives de prévention. Il y a deux semaines, nous avons négocié avec le gouvernement fédéral pour mettre en œuvre un plan d'action fédéral qui va voir encore 162 millions investis sur 4 ans en Ontario. Monsieur le Président, notre gouvernement continue d'augmenter les investissements pour la violence contre les femmes. Nous allons faire tout ce que nous pouvons faire pour protéger les femmes. Question supplémentaire, Monsieur le Président, les logements éclatent de monde parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants n'ont pas d'endroit où aller. Le secteur fait face à des manques à gagner d'employés et le système, en raison du projet de loi 124 de ce gouvernement, il devrait avoir des programmes pour répondre à la demande qui peuvent à peine répondre à la demande en raison des budgets très restreints. Hier, un travailleur a partagé comment ils font des campagnes de financement pour ramasser de l'argent pour nourrir leurs clients.
les progrès qui avaient été faits sont maintenant à l'envers. Ma question pour le premier ministre, est-ce qu'il va s'engager à mettre fin à la violence basée sur le genre en appuyant des modèles financés? Va-t-il appuyer les travailleurs de ce secteur et se débarrasser du projet de loi 124? Monsieur le Président, il est crucial que les femmes et les enfants fuient la violence et qu'ils aient besoin pour continuer leur vie. C'est pour ça qu'on augmente l'argent pour le logement, pour qu'ils puissent échapper à la violence. On investe 18,5 millions dans les programmes pour appuyer les victimes de violences domestiques et ceux qui survivent au trafic humain à l'ordre. Et ça relie de l'appui communautaire responsable comme du counseling, du bien-être, de la santé, de l'éducation, des services d'immigration, des ressources financières et des soins pour les enfants. Monsieur le Président, tous les Ontariens et Ontariennes méritent un endroit sûr où vivre, surtout pour les femmes qui fuient la violence. Et Toronto-Saint-Paul à l'ordre. Prochaine question. Le député de London-Fanshawe. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Les familles et les défendeurs de partout aux provinces passent à l'action aujourd'hui pour mettre fin au manque d'espace pour les soins pour enfants. Les familles sont sur des listes d'attente. On s'inquiète des coûts augmentants dans un système qui est sous-financier. Il y a des menaces au programme. Et pendant que le financement fédéral a augmenté, le financement provincial a diminué en 2018 durant une crise financière. Pourquoi on met un délai sur la mise en place des soins pour les enfants abordables en province? N'oublions pas que les nouveaux partis démocratiques et les libéraux ont encouragé à signer le premier entente avec le gouvernement fédéral qui aurait profité aux familles. Ils n'auront perdu de la flexibilité. Ils auraient laissé des millions de dollars sur la table. Ils auraient pu obtenir plus de financement, même comme nous encourage le membre de l'opposition. Et on est à 100%. Maintenant, nous sommes un gouvernement progressif pour couper des frais, pour créer 86 millions de places de plus. Et le NDP a voté contre. Nous allons continuer à créer de l'espace, à réduire les frais. Nous allons le faire sans l'appui du NDP. Puis c'est à regret parce que les familles dans la province voudraient croire qu'on puisse se réunir pour fournir l'accessibilité abordable pour les membres de la province. Monsieur le Président, les enfants ne devraient pas être utilisés dans une joue de football politique. Monsieur le Président, les experts s'entendent pour dire que la majorité des membres du personnel de l'école avant l'école des enfants, il y en a qui ne peuvent pas se permettre de travailler pour les soins des enfants pour l'instant parce qu'ils ne peuvent pas gagner leur vie suffisamment. Ils n'ont pas suffisamment d'employés pour répondre aux postes à combler. Est-ce que le ministre va s'entendre sur une échelle de salaire pour tous les travailleurs dans le secteur et pour aider les enfants, les travailleurs du secteur pour les ceux qui sont d'âge préscolaire? Le ministre de l'Éducation, oui, bien sûr, nous allons continuer à augmenter les frais pour nos travailleurs. Malgré l'opposition du Parti démocratique, vous avez voté contre une augmentation de 19 % cette année et vous votez contre tout ce qu'on présente. Le gouvernement augmente les frais, crée des opportunités pour le secteur et, selon les mots du collège de l'enseignement pour les enfants préscolaires, nous voulons contribuer à l'attrition dans la profession et créer une force de travail pour répondre aux besoins. Nous continuons d'augmenter les espaces, on réduit les frais, nous appuyons les travailleurs, nous augmentons leur salaire à tous les ans et nous faisons tout ce qu'on peut pour appuyer toutes les familles de la province de l'Ontario.
La prochaine question, le membre de le député de Brantford, Grant. Pour le ministre de l'Énergie, un nombre croissant de membres de ma circonscription sont inquiets de ce qui se passe de la taxe carbone et l'impact sur leur vie. Nous sommes dans une crise ici en Ontario. Les gens ont peur de savoir comment la taxe sur le carbone va rendre les choses plus chères. La plupart des Ontariens ressentent déjà l'impact négatif de la taxe sur leur vie et malheureusement, le gouvernement fédéral ne s'en soucie pas. La taxe sur le carbone affecte d'une façon négative nos entreprises et notre économie et les travailleurs de l'Ontario. Monsieur le Président, le ministre peut-il expliquer comment d'autres augmentations de la taxe du carbone vont continuer à causer dommages aux personnes de l'Ontario? Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de Brantford-Brantford pour l'excellente question. C'est un sujet qui doit être adressé. Je ne veux pas être celui qui vous présente de mauvaises nouvelles, mais si la taxe sur le carbone persiste, on a confirmé que d'ici 2030, la taxe va coûter aux familles 2 000 $ par année. Et ceci est après l'initiative sur le programme d'initiative du gouvernement fédéral sur le climat. C'est important pour le gouvernement fédéral libéral que notre gouvernement a démontré par l'entremise de ces programmes que nous n'avons pas besoin de la taxe sur le carbone pour réduire les émissions. Nous regardons l'expansion du programme de maison propre, l'initiative, pour réduire les émissions qui ont rapport au chauffage de un tiers. Et l'Ontario a une des meilleures grilles d'énergie les plus propres au monde. Monsieur le Président, c'est pas logique pour le gouvernement fédéral d'augmenter cette taxe sur le dos des familles d'Ontario. Merci. Merci aux membres pour la réponse du député. La carte sur le carbone a un impact négatif sur l'économie et les travailleurs de l'Ontario. Pour les gens qui habitent dans les secteurs éloignés, les impacts négatifs sont dévastateurs. Pour de nombreuses personnes, la taxe crée des défis pour beaucoup de secteurs de l'économie. La taxe sur le carbone touche les gens qui travaillent fort, les entreprises et fermiers en leur enlevant de l'argent. La distribution des biens de production en Ontario, surtout les aliments, les denrées fraîches, cette taxe leur touche directement. Est-ce que le système parlementaire pourrait élaborer à savoir comment la taxe sur le carbone a un impact négatif sur tous les Ontariens et Ontariennes? Membre du Glengarry Prescott Russell. Monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord. On m'a dit comment cette taxe empire leur vie, mais qu'ils doivent l'endurer parce que le carburant est une partie intégrale de leur vie et ils n'ont pas d'autres options. Les frais sont passés aux dépôts alimentaires qui ensuite le passent aux épiceries et qui ensuite la passent aux consommateurs en augmentant les prix. C'est pourquoi nous devrions tous vouloir éliminer la taxe. La taxe pour les fermiers dans ma circonscription rend le fait de livrer les aliments aux épiceries de Toronto augmente le prix. Une personne touchée par la taxe sur le carbone est ressentie par une autre personne qui habite à un autre secteur de la province. Ça met fin à la période de questions pour ce matin. Nous avons un vote différé pour la motion numéro 36. C'est une période de 5 minutes.